Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. On va décrypter encore l'actualité aujourd'hui. L'actualité, c'est l'Assemblée nationale, la loi électorale. Ça passe ou ça casse. Certaines, recommandations ou certains éléments introduits dans la proposition de loi de G13 ont été extirpés. Essayer de creuser dedans, mais bien avant la loi, nous allons prendre les mots du chef de l'État au niveau de Abidjan et même ici dans un séminaire militaire où le président de la République a sérieusement apostrophé, enfin, français ira la vie en avant colonisateur. Bref, donc le président a sérieusement apostrophé l'armée. Il les a quand même un peu titillés au regard de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons décrypter de fond en comble cette question et aussi la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale. Et le bilan du président de la République, pas vraiment le bilan, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions pour que les choses aillent pour le meilleur. Je m'appelle Peter Tiani, pour ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui, toute l'équipe est en place, Réveil Koupa, Arnaud Massamba, Louison Kiassi, du côté de la baie vitrée, Richard, clin d'œil à lui, Emmanuel Mwamba, oui, et DJ Vita, voilà. Debs, notre dipro, un invité, un frère et ami, cadre de parti politique UDPS, parti présidentiel. Nous allons avec lui croiser le fer. Il est venu faire son passage de feu ici chez moi. Comme dans mes habitudes, il sait que je ne vais pas lui donner de cadeau. Mais j'aime aussi son fair play, sa spontanéité, sa sportivité. C'est comme ça que je vais lui permettre d'expurger la bile de son foie. Aussi pas vider son sac. Il s'appelle Maître Donald Cavassélé. Maître, bonjour, bienvenue. Merci Peter, merci pour cette invitation. UDPS, pur pur. Oui, UDPS, viva d'ailleurs. Je salue tous les combattants pour commencer. Okay. Je salue aussi le secrétaire général Augustin Kabuya qui est en train d'abattre un travail de qualité pour redynamiser notre Augustin partie. Kabuya, quand on va bien encaillé AK-47, moi la bouté. Moi la bouté. Ça, c'est moi la bouté. C'est lui, voilà. Donc, CG. Ouais, donc vraiment, il est formidable. Vous savez, l'UDPS, ça a toujours été la base. La base, comme on c'est la parle. Base aussi qui se retrouve, c'est la base aussi qui vit, c'est si la base aussi qui mange, c'est la base aussi qui est dans les jets, où la base et les forces du progrès sont restées sous les arbres, les mettaient, et c'est les autres qui se réjouissent. Non, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu certaines, je vais dire, reproches ou remarques. Qui avait été adressé à la hiérarchie du parti par rapport à cette sorte d'abandon simulé de cette base. Mais il faut reconnaître qu'il y a un travail de titan qui s'est fait actuellement avec AK-47, le secrétaire général, qui est presque en train de valoriser la cellule, qui valorise la section, qui valorise la fédération. C'est tout notre combat. Le vide ne se fait pas sentir avec le départ de Kabound. Non, mais bien au contraire, actuellement, il y a un travail de titan qui s'est fait à l'interne. Vous voyez que Kabound, c'était une machine. Non seulement que les organes de base sont privilégiés cette fois-ci, mais il y a aussi un aspect, c'est l'identité en tant que combattant de l'UDPS. Ça veut dire, ne fût-ce qu'avoir la carte, vous avez vu à la dernière matinée politique, il était question de présenter les instruments achetés demain, sur fond propre par le parti, pour ne fût-ce qu'identifier nos combattants, leur donner une carte. C'était difficile. Il y a 3 ans, vous avez vu que rien n'a été fait dans ce sens. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Okay. Et moi, je pense qu'il aura tout le soutien des combattants que nous sommes. Nous l'appuierons en idée et dans ce que nous faisons, on ne cessera de dire ça. Communicateur de l'Union Sacrée, vous en êtes où avec cette guerre qu'il y a eu
On vous avait désavoué par vos amis. Non, vous êtes divisé, vous bouffez de l'argent, les autres ne bouffent pas. Nous ne sommes pas divisés. C'est vous qui vous retrouvez, vous bouffez bien. Nous ne sommes pas divisés. Vous avez déjà arrangé maintenant, vous bouffez ensemble. Je dis, nous ne sommes pas divisés. C'est une idée, d'ailleurs l'idée première, c'est appuyer le président. Non. Pourquoi c'est toujours toi qui as de l'argent, qui est bien battu, bien habillé, roulé carrosse, et les autres sont à pied, là, ça a créé de la jalousie. Je pense que... Ben, tu es en train d'amuser la galerie. Non, mais on a suivi les gens. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes avec les amis qui ont choisi de soutenir le président de la République. Et tout ce que nous, on essaye de faire, c'est organiser une sorte de syndicat ou carrément de défenseur des actions du président. C'est tout ce que nous on fait. Ça veut dire, nous trouvons que oui, la communication, elle existe, mais elle n'est peut-être pas assez forte pour atteindre toutes les couches sociales. Et nous organisons pour servir des relais. Alors, les amis, certains ont compris ça d'une autre manière, parce qu'on voit toujours derrière chaque idée l'argent qui entrerait de gauche à droite, par fiction, l'argent qu'on ne voit pas. Mais cela ne peut pas décourager notre foi. Cette foi-là de dire, pour nous, nous estimons que le président est en train de faire quelque chose et il faut en parler. Donc, je n'aime même pas entrer dans ce guéguerre-là et dire les autres ont dit ceci, cela. Le président est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quoi? Beaucoup. Qu'est-ce qui va dans ce pays aujourd'hui? Les recettes, par exemple. Les recettes, aujourd'hui, explosent. Nous allons arriver aux recettes. Parlez d'abord de ce qui ne va pas, alors. Ce qui ne va pas, c'est effectivement, nous décrions le fait que la gangrène qui est la corruption, elle continue. Jusqu'à aujourd'hui. Même quand il y a beaucoup d'efforts que le président a fournis pour essayer d'empêcher cette hémorragie, ben, vous avez des gens apparemment qui sont nés et qui ont grandi dans ça. Et pour se séparer de la corruption, je vois qu'il y a vraiment un problème. Il y a même les ministres UDPS aussi qui sont cités dans cette histoire de corruption. Qu'à cela n'étienne, moi je ne suis pas en train de... À l'UDPS, nous sommes le premier à critiquer les nôtres. Donc ça ne me dérangera pas de dire que oui, même s'il y a un ministre de peste plongé dans la corruption, c'est quelqu'un à condamner. Et même s'il y avait une condamnation à mort, on le ferait. Le président dit. Oui, mais le président se bat chaque jour. C'est tout ce qui est sorcier. Oui, mais on essaie de comprendre. Le président est en train de titiller l'armée là, la situation de l'Est. Mais on a eu l'impression de voir un président qui se plaint. Non, pas du tout. Il dit qu'on a mis les moyens, mais il n'y a pas de résultats. Si. C'est comme si le président... c'est l'impression que ça donnait la communication du président. Non, vous avez... Comme si le président en a marre de l'armée qui n'arrive pas, pendant qu'on lui a mis les moyens. On a eu une mauvaise habitude. C'est de trouver un président qui pouvait dire que tout allait toujours mieux. Qui ne pouvait pas, peut-être, apostropher une armée, apostropher un enseignement, ou dire publiquement ce qui ne marche pas. C'est une denrée rare depuis que ce pays existe. Alors, on a maintenant quelqu'un qui sait prendre la place de la population, s'exprimer comme la population, mais d'abord en tant que père, parce que là, il parle aux policiers, il parle aux militaires, ce n'est pas pour leur demander quoi que ce soit, mais c'est comme une causerie morale, c'est-à-dire leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous avez tout. Vous avez toutes les possibilités que vous n'aviez pas avant. Mais pourquoi on peut tuer les Congolais? Et le faire, vous pensez que, bon, certaines personnes donc, se plaignent, oui. Non, mais c'est pas se plaindre. Vous êtes un père de famille. Vous mettez tout le moyen qu'il faut. Mais le président doit sanctionner s'il n'y a pas de résultat. Non, mais écoutez, avant de sanctionner, on parle aussi avec les gens. Ce ne sont pas des bêtes. Il faut parler avec les gens. Il faut tonner sur les gens. Et quand les gens n'entendent pas, écoutez, il y en a ceux qui coupissent déjà en dolo parmi les militaires qui se sont compromis avec des détournements de deniers publics. Donc on peut dire que l'état de siège est un échec. Hein. Pas du tout un échec. C'est une réussite. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais il n'y a pas de résultats. Qui produisent des résultats. Des résultats où les gens continuent à mourir. Pas de résultats tels qu'on le voulait bien. Ça veut dire que le président n'était pas en train de dire que tout a échoué. Pas du tout. Ça veut dire qu'il attend beaucoup de l'armée.
Nous-mêmes, nous, population, nous attendons beaucoup. On n'attend pas que l'armée nous dise seulement que je récupérais l'aérodrome de Douga qui servait justement d'acheminement de matières premières. Nous n'attendons pas qu'on nous dise que les localités entières sont récupérées. C'est effectivement le cas. Nous n'attendons pas que les recettes minières des Rwandais, des Burundais, des Ougandais baissent de 40%. On sait que c'est le fruit de la guerre que les militaires sont en train de faire à l'Est. C'est à mettre à l'air actif. Mais nous attendons aussi ne pas écouter qu'il y a un compatriote qui est mort. C'est à ce niveau-là que le président s'interroge. Il n'est pas en train de rejeter tout ce qui est fait. Pas du tout. Okay. Mais il veut qu'il fasse plus. J'avais oublié que j'avais un avocat sur ce plateau. Je comprends la défense. Mais le président va jusqu'à critiquer l'enseignement, à critiquer même les enseignants, à jeter de l'opprobre à ces vaillants enseignants qui d'ailleurs, de fois, leurs enfants ne vont pas à l'école, mais eux sont obligés d'aller donner cours aux enfants des autres pour regarder du traitement dont ils sont victimes de leur salaire. Comment le président peut, je dis ce que l'opinion dit aujourd'hui, tirant un enseignement médiocre, non, enseignement de mauvaise qualité, enseignant de mauvaise qualité. La différence avec vous, M. Peter, c'est que vous êtes quelqu'un de réfléchi. C'est vrai, vous savez, avec l'information, la rapidité de l'information telle que voulue par les numériques, elle est du genre influenceuse, cette communication, cette rapidité. Ouais. Ben, les gens quittent les contextes de la communication pour du président. Pour le prétexte, on commence à raconter des choses. Il a dit que les enseignants sont nuls. Pas du tout. Le président a dit qu'il y a des avancées sur la gratuité. Pourquoi? Parce qu'on a repris sur le chemin de l'école plus de 4 millions d'enfants qui n'avaient pas le moyen de se faire scolariser. Il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens que le gouvernement a mis. Alors, il était question qu'ils disent est-ce qu'il est satisfait du niveau de notre enseignement. Il a répondu que non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a certainement un problème de réforme. Certains de nos enseignants n'ont pas les niveaux qu'il faut. Ça, c'est la réalité. Vous allez trouver un enseignant qui ne connaît pas ce que ça veut dire le changement climatique ou la transition écologique. La transition numérique, c'est des termes, c'est des sujets très nouveaux à certains de nos enseignants. Ils doivent connaître une sorte de capacitation pour s'adapter. Mais ils sont traités comment, ces enseignants? Non, mais ils sont maltraités. Pour qu'ils mangent bien, qu'ils envoient leurs enfants à l'école, qu'ils soient dans les conditions même de s'actualiser, de s'acheter même des livres. C'est un chantier, au fait. Ça veut dire, le président dit, oui, effectivement, c'est un chantier. Nous devons former non seulement les enfants, parce que les gens regardent beaucoup plus les enfants. Non, il faut aussi capaciter nos enseignants. Il faut leur permettre d'atteindre un certain niveau, sans rejeter la capacité de nos enseignants. Il dit qu'il en faut encore un peu plus. Vous voyez? Écoutez ce qu'il a fait, par exemple, parce que vous voulez me poser des questions, mais qu'est-ce que le président a fait? Ben, pour un enseignant qui touchait 100 000 francs pendant plusieurs temps, 10 ans peut-être, et qui voit son salaire réduit à 400 000 francs, vous ne direz pas que c'est rien de toute façon. Ça veut dire que c'est quelque chose. Même si on veut que nos enseignants aient suffisamment de moyens pour se prendre en charge, prendre leur famille en charge, on sait que 400 000 francs, c'est insignifiant. 260 000 francs, c'est insignifiant. Mais le faire, c'est quand même un pas. Voyez-vous? Donc, le président qui l'a fait, il n'est pas en train de se féliciter de l'avoir fait. Pas du tout. Mais il dit que ça reste un chantier et il y a beaucoup à faire. Il reconnaît que ses enseignants, ce sont eux qui l'ont formé aussi, qui nous ont formés nous autres, qui vous ont formés aussi. Mais est-ce que vous êtes sûr, M. Peter, parlant de notre enseignement, qu'aujourd'hui, notre enseignement nous permet d'être souverain? Pas du tout. Je vais vous donner un exemple que j'ai toujours donné, c'est un peu banal. Imaginons que le monde entier dise, vous parlez trop de vos minerais, nous n'achèterons plus vos minerais, nous ne toucherons plus à vos minerais. Qu'est-ce que nous, on en fera? Est-ce que nous avons des gens qui sont capables de prendre l'or, de transformer cet or-là et de faire quelque chose?
Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Mais pourquoi on va prendre 25 ans à former quelqu'un qui parle français et qui écrit français? Au moment où nous avons de minerais à transformer, pourquoi on ne prendrait pas ces 25 ans pour le concentrer à ce qu'on ait des architectes, des ingénieurs et tout ça? Mais écoutez, pendant toutes ces années, rien n'a été fait dans ce sens-là. Ça, c'est un sujet intéressant. Le président veut révolutionner. Il veut que nous ayons... Créer cet enseignement des gens capables de faire quelque chose. De faire quelque chose. Tout le monde veut être médecin, tout le monde veut être juriste. Tout le monde veut être tout ça. Voilà. Personne ne veut être plombier, personne ne veut être maçon. Dites-moi. Personne ne veut être orfèvre. Hein. Ouais. Je le rappelle comme ça, je ne sais pas. Ouais. Voilà, personne ne veut... Voilà, il y a une paix possible. Bon. Non, mais imaginez-vous, 80 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, on ne sait pas fabriquer une télévision. Même pas un stylo, même rien, mais nous disons, nous avons tout. Non, c'est seulement des Français. Ah voilà, est-ce que cette réforme de l'enseignement n'est pas quelque chose de bienvenu? Et que le président dise ça dans ces termes-là, on doit dire que c'est un mauvais président, vous êtes sûr? Donc, il faut quand même... Pourquoi lui parle seulement à l'étranger? Pourquoi il ne dit pas ce genre de choses ici? C'est seulement quand il sort, il doit aller parler. Non, mais écoutez, ici, le président a toujours parlé. Okay. Vous savez qu'il parle. Il invite des journalistes. Mais écoutez, vous savez, les compatriotes qui vivent en dehors du pays, c'est pour la première fois. Il faut les reconnaître. Qu'un président arrive à l'étranger et qu'il s'interroge où se trouve la communauté congolaise ici. Qu'il s'approche de ces gens-là et qu'il parle avec eux. Demandez à ceux qui ont vécu dans d'autres cieux, sous d'autres cieux. Vous savez, quand vous êtes ailleurs, vous êtes quelqu'un à mépriser. On vous fait toujours savoir que vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez ? Que vous voyez que le président commence à partir, à voir sa diaspora, parler avec elle, c'est quelque chose. Nous étions habitués à des présidents, quand il arrive à l'étranger, il finit ce qu'il fait, il n'a même pas besoin de voir qui est congolais ici et qui n'est pas. Qu'est-ce qu'ils subissent, qu'est-ce qu'ils sont en train de subir, comment ils vivent. Mais le président, quand il s'approche, il doit leur parler. Il sait que ces gens, ils sont au courant à travers l'Internet, à travers tout ça, de ce qui s'est fait à l'intérieur du pays. Mais c'est aussi utile pour le président d'échanger avec eux, de parler avec eux. Nous avons l'habitude de le voir, de parler avec lui. Okay. Mais les autres, ne fût-ce qu'une fois. Autre chose de bien qu'il a fait, c'est quoi? Les recettes, vous vouliez parler des recettes. Les recettes, on fait quoi? Ben, je vous dis qu'il y a explosion des recettes. On a suivi le président féliciter le chef au niveau de Côte d'Ivoire avec Aligleti. Et puis on apprend ici, j'ai vu un élément, je ne sais pas si on a vu un élément avec les recettes ici, la DGI. D'ailleurs, parce qu'on parle... Le DGI, c'est Mwakadi. Mwakadi Mwamba. Mwakadi Mwamba. Barnabé. Vous savez, c'est aussi une révélation. Vous savez, on a commencé le pouvoir avec le président de la République, il y a eu une révélation qu'on appelle l'IGF, Alinguete. Aujourd'hui, tout le monde, quand il regarde Alinguete... Un esprit supérieur. Il voit un esprit, un contrôleur, un super flic. Un esprit supérieur. Quelqu'un qui lutte contre... On peut ne pas aimer Fatshi. Voilà, mais quand vous voyez l'IGF... Tout le monde est d'accord avec l'IGF. Est entré dans l'IGF. Ça veut dire que, ça, que tu sois opposant. Que tu sois de la majorité, que tu sois de la société civile, que tu sois de n'importe quelle tribu, quand Alinguete. Tu regardes Alinguete, tu dis vraiment Fatih, félicitations. Mozito a félicité pour la première fois, celui qui voulait créer l'instabilité au pays, il avait dit qu'il va créer l'instabilité au pays, l'opposant Mozito. On va parler de lui, parce qu'il a quand même fait une longue émission. Il y a des choses aussi qui ne sont pas très cohérentes. On en parlera. Mais écoute, la deuxième révélation, ça doit être ce monsieur Barnabé Mwakadi Mwamba. Il est cadre de l'UDPS. C'est quelqu'un de l'UDPS qui est à la DGI. Ah, okay. Je sais pourquoi je l'ai dit. C'est important que les gens sachent qu'il y a des gens de l'UDPS qui font quelque chose aussi, quand ils sont placés quelque part. Encore bilan. Mais là, écoute. Non, je vais. Et c'est important, mon frère. Vous savez, quand il y a des gens qui font quelque chose de bon, il faut qu'ils sentent aussi qu'on parle d'eux dans le bien. Il ne faut pas attendre. L'équipe technique veut faire la magie de me trouver même sa photo rapidement. Dans les réseaux sociaux, on peut trouver ça. Ouais. Richard, voilà. Monsieur Barnabé Mwakadi Mwamba. Pour l'histoire, depuis que ce pays existe, ce monsieur que vous voyez, le DG de la DGI, a donné à la République, pour le seul mois d'avril,
1,5 milliard de dollars pour le seul mois d'avril. Quand vous commencez depuis janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, ce monsieur a mobilisé sur fonds propres à travers les impôts, il a mobilisé 4 milliards de dollars. J'ai dit la DGI à elle seule, sans mettre la DGDA, sans mettre la DGRAD, sans mettre le FPI, sans mettre les autres structures. Il a pu emmener en 4 milliards en... 4 milliards de dollars en 4 mois. Ah bon? Seule la DGI. Maintenant, beaucoup de gens se posent des questions. Quelqu'un de l'IDEPES. Pour la première fois. Je ne veux pas que la polémique soit pour ceux qui sont soit contre l'IDEPES ou pour l'IDEPES. Mais je veux qu'on apprécie la personne à sa juste valeur. D'accord. Parce que nous avons connu dans ce pays la DGI qui, pendant une année, mobilisait 300 millions de dollars. Oui. Pendant une année, c'est-à-dire de janvier à décembre. On mobilisait 300 millions. 300 et, d'ailleurs, 300 et quelques millions. 300 et quelques millions. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons... Ça, c'est sous Kabila aussi. Hein. Sous Kabila. Il a fait combien de temps, là? Il n'a qu'une année et quelques mois. Même bien avant lui, la DGI n'avait pas la capacité de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens sur lesquels... J'aurais même appris... J'interpelle. Et qu'il a dit qu'il demandait au président de la République, même les télécommunications, ne sont pas comme Kotchaba, Bilogo, Nabango, Koula, le contrôle, ouais. Ils peuvent aller au-delà. Il dit ceci. Il le déplore, en fait. Il dit, l'assiette fiscale, vous savez, ça va vous surprendre. Nous sommes 100 millions d'habitants, ici, dans ce pays. Il n'y a que 300 000 personnes qui payent l'impôt. Nous n'avons que 300 000 contribuables. Sur 80 millions d'habitants. Mais chacun a besoin de dire à l'État quelque chose. Vous n'avez pas fait ceci. Vous avez bouffé notre argent. Nous n'avons que 300 000 contribuables. Je vais vous dire l'histoire de la petite Belgique. Mmh. Avec ce petit pays, nous avons 18 millions de contribuables en Belgique. Au Congo-Brazza, nous nageons entre 1 million et 2 millions. Parce qu'ils ont des gens qui travaillent. Oui, bien sûr. Mais ici, on a des chômeurs. Non, pas du tout. On a des chômeurs. Seulement des chômeurs. Quand vous partez dans toutes les rues de Kinshasa, vous trouvez des gens avec leur petit commerce, ils ont de mini-entreprises et tout ça, ils doivent payer l'impôt. Ils payent des patentes. Ils ne payent pas. Pour la plupart, ils ne payent pas. Des taxes, oui, peut-être, mais l'impôt, beaucoup ne payent pas. Imaginez qu'avec 300 000 personnes, que Mouakadi trouve, voyez-vous, il peut faire 4 milliards de dollars en 4 mois. Imaginez qu'on ait 1 million de contribuables. Si nous tous, on se met dans le civisme fiscal pour commencer à faire la campagne et dire payons l'impôt, et qu'un million de personnes payent l'impôt, nous n'aurons pas besoin d'aller emprunter de l'argent, je ne sais pas, au PNUD, au FMI ou à la Banque mondiale. Vous savez, quand la Banque mondiale nous donne 500 millions de dollars, combien de caméras il y a derrière? Derrière. Et puis... Mais quand nous avons un compatriote, manager de son rang, de son État, qui vous fait 4 milliards de dollars pendant 4 mois, pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il vient d'où d'abord? Avant d'être là. Avant d'être à la DGI, il est fils maison de la DGI. Ah, de la DGI. Hein. Il aura, je crois, 30 ans, selon mes informations. Mais 30 ans de carrière. Là-bas. Comme Alinguette aussi était fils maison. Ah voilà, donc. Ça veut dire que nous avons du potentiel dans notre pays. Ouais. Il faut seulement savoir piocher et trouver des bonnes personnes. Par exemple, c'est piocher et trouver des bonnes. Parce qu'il y a eu d'autres fils maison qu'ils ont connus, mais qui n'ont pas fait ces exploits. Attaque Mouté Mamabe Angou. Oui. Donc, en 4 mois, 5 mois, ça les 4 milliards. Mais on nous faisait en une année 300 millions. Maintenant, imagine-toi. Ça, ce sont, vous voyez, c'est de prévisions et des réalisations. Donc, d'un côté, il y a de prévisions. Qui a la régie? Félicitations, monsieur. Voyez-vous? Donc, on ne parle pas. Voyez, ce sont des chiffres qui existent. Ce n'est pas pour rien que vous voyez un ancien premier ministre comme Mozito louer, dire oui, je suis opposant. Je suis de la Mouka. Oui. J'ai eu tout ce que j'ai pu dire sur Félix, sur son gouvernement. Mais ça, c'est des exploits. Mais quelle est maintenant l'incidence de cet exploit sur la vie et sur le vécu quotidien
de la population. C'est un autre chantier. Réseau matin. Merci beaucoup. Ma salaire réseau changé. Voilà. Dollar réseau mataté. Mais biloko réseau matin. Mais tu n'as pas dit ce que. Moi, je ne peux pas te la biso. Moi, je ne peux pas te la lingala. Je comprends. Je ne peux pas te la biso. Je ne peux pas te la biso. Je ne peux pas te la macanis. Je ne peux pas te la biso. Voilà. Je ne peux pas te la biso. Je ne peux pas exploiter. Je ne peux pas te la biso. Impact dans les randes. Je vais expliquer comment avant de répondre. Au moment où Mbongo et Mboko et Bandako Ibama ont deux niveaux. Niveau à Liboso, ils ont bango batoyo bazali ko Congolais pas les collecteurs d'impôts. Okay. Ils volaient à ces niveaux-là. C'est pourquoi on avait 300 millions dans une année. Mais ba Congolais impact comme la DGI par exemple, ba fongoli mutema ou mutu ya mayele manager muto alingi ko sunga mboka nae aya lobby. Moi, il ne faut même pas que des agents de la DGI touchent l'argent en main. Mettez tout en banque. Il a bancarisé, il a digitalisé, il a informatisé. Tout passe par la banque, les déclarations sont vérifiées, compte récipicé. Tout entre dans les caisses du trésor. Regardez, 4 milliards. On est continu. Deuxième aspect, il faut Il faut te faire wapi, il faut te faire en maï, il faut te faire en courant, il faut te faire en. Ce qui batou yo bazali pe na ba service ou ana ya distribution équitable, ya richesse. Basali pe nenge moulinga ya DGI a sali pona kokotisa. Basse réservé pona kanyaka, pona corruption batika yango, ba détourné te mbongwane kokoma na libenga congolais. Okay. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Mouyibi, Nazoye batte son bateau, Balokama. Mouyibi, Bazakaka. Nous ne savons pas ce qui bat ou Balokama. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que nous sommes au pouvoir, parce que toujours l'obé la Non, là, j'aime. Je te dis qu'il y a des gens qui méritent la prison. Baza batte, moko ya kozala libandate. La corruption à un niveau, Nambo Kanabiso, Naebi. Ce qui balinga oyo balingi de mokonjamboka a sala nini c'est je te dis que donc même lui-même le président est beaucoup à lobby je ne sais pas ce qui bozana vidéo on a wala loba ndeko azo ebisa moninga na bino journaliste ndeko Christian nous ça quoi nous avant na kota pouvoir na yeba kite que mouyibi eza na niveau na mboka. Oui, bien sûr, à niveau moko koki kondimate. Et pourtant, c'est des gens à qui le président peut-être a sali confiance. Gérer l'okoboy. Ça, moko nzambo ka kozala partout. Ce qui va être sur parcelle, il y a responsabilité. Ça, c'est moi qui dis ça. Ou koki kosa la peine, c'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. Toko lobe la bino na malamo. Bako lobe la bino ba lingue, tina ba moka dit ça na snel. Na wana zambela na zobo kana teva bazo. Ton sala na ba courante papa yom dans un parti présidentiel, on coûte na ba konti kuna. Ce qu'on a zo peso question population mususu. Ton sala na courante. To futa ka sinel. Maya bi maka ya chocolat. Ton dimi bi maka mebi maka ya chocolat. Mais to futa ka régie des eaux. Est-ce que président de la République a kolu gela biso alengeti mokote na mwaka di mokote mi bala na chez moko na snel moko na régie des eaux pour même ba recette comme parce qu'il y a des gens qui nous devons apprendre à encourager ce qui est bien fait. Oui. C'est ça au-delà du journalisme, au-delà du médecin, de l'avocat, être d'abord de républicain, de congolais. Oui. Quand on voit quelque chose de bien qui est fait, on applaudit. Oui. Mais est-ce que le président des GIESA, mais des gérants de PESA, on fait des PESA, on va donner des donneurs, on va donner des donneurs, on va donner des donneurs, on va donner des SNEL, Régie des Eaux, DGDA, OFIDA, des gérants de. Alors, tu sais, on va dire que c'est défi à Mounene d'un président de la République, c'est comme le chef l'avait dit. Il dit défi. Même prédécesseur Nanga, il avait dit Félix, c'est quelqu'un qui est très sincère. Batwebele, bas 8 ans, il y a couillé, président Nabissoté. Il a dit même prédécesseur Nanga, Joseph Kabila, j'ai compris, difficulté, ni Nazaki Nango. C'est s'entourer de bonnes personnes. Comment dit Mouto? Tu peux compter sur son intelligence. Tu vois Mouto a réfléchi ça, Kakitoko. Tu vois tout ça, c'est un professeur d'université. Au moins, il a bappé ça, bah, court, même dans la télévision. Ce qui va lobby la makamba ba chiffre. Ce qui va au lobby oyo penzande ye. Bazwa e kaka ba chaye.
Mouibi ya Wenze, à Kosa. Même Koulouna, à Kosa. C'est des grands voleurs. Non, mais je t'ai dit, mon frère. Nous devons un moment. Ça veut dire que les Français, la TV. Makambu, donc ville Nabiso est changée. Regarde un peu. On prend de l'argent, 500 millions. On dit nous devons faire quelque chose de visible. C'est vrai qu'il y a eu un peu de réalisation, mais pour la plupart, ce qui m'a bandi procès. Biso ba parti politique tout est l'aime. Oh, Azam tu n'as pas perdu. Balingi ba régler ba compte. Ce qui balingi ba l'année là, mais procès oui. Mbon we bima 480 millions. Il faut toyer ba mbon wana ba chaka ngo. Oh, pour Azam tu a FCC ba komo linga ko landanga. Population pas koti na kati ya ligambwana. Ba linga ba régler ba compte. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quand on va arrêter, ça c'est la communauté. Nous les ressortissants. Bisso va ressortissant. Ne touchez pas. Bazo visé. Bazo linga ba touché. C'est un exemple que je donne. Vous voyez un peu. Dis-moi, est-ce que dans ces conditions, on a vu ce truc qu'on développait en haut? Est-ce que nous ne pouvons pas bisonner sur le bakker? Trop c'est trop. Nous parlons de tout ça. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir des gens aussi au bazana moutema, netiba lingete, netiba mouakadi, kolobake bon, mon cannabis, finalement il faut ma cambo changer. N'a pas ce exemple. Ce qui, DGI, yango mokoka, qui ont payé 4 milliards de dollars dans 5 mois. Yango moko DGI. Zoa ce qui dégérad, abimisi pata 3 milliards. Zoa pe DGDA, abimisi pata 3 milliards 500 millions. Zoa pe ba FPIO, abimisi OE. Est-ce que Bissot Okoz en a budget à 10 milliards de dollars? Basnel, Barégi. Basnel, Barégi, de Zoba Toana. Est-ce que Okoz en a budget à 10 milliards dans Mbogo? Imagine. Le budget va 40 000. Et d'ailleurs, le DG, a DGI à lobby. Ce qui gouvernement est en Biso et Sungi Bango DGI. Que Bazala en permanence na katia ba société à télécommunication. Ba vérifier ba flux si y a ba communication n'ingezo saluma. Ba contrôler. Bango moko. J'ai dit Bango moko. Ils peuvent aller au-delà à 15 milliards. Parce qu'ils sont sûrs que Nakatiwana, maman a magui. Alors, maintenant, pourquoi quand tu me poses la question, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Ça veut dire que au moins, DGI Sikoyo a la capacité à couper dans mon union sur impôt. Mais Kala, ils ont un bateau au couper dans impôt. Na bato so komi yomo kotali ka elongi na ye. Mufungi acha. Ozongi. Acha acha mufungi acha. Ah voilà. Oye ben nini? Oh. Pour une assiette de combien? De 300 000 dollars. Donc, une assiette, il y a 300 000 habitants. 300 000 contribuables. Donc, ceux qui battent l'union, yo, par exemple, bisounion, bah, locataire, soit au lobby, bah, locataire, n'y soit Kinshasa. To foutaka impôt sur les revenus locatifs. Bon, n'y a pas bayer, bah, zwa kambo, on a biso là. Nambongo, to foutaka bango. Il y a un impôt sur les revenus, au bango, moko, il faut pas foutre en l'état. Ah, au moins, la bayer, n'a locataire, bayer. Kani, que to foutaka. Mais là, imagine, toi. Il y a des grands complicités. Bon, zwa mbongo, toi, n'a mbongo, mboka. Imaginez que, bah, toi, n'a surtout, bah, fouti. Mais si vous bayer a menacé locataire, ce qu'on l'obtient de la mambo, n'a l'on l'on d'a. Mais maintenant, ton ligne, moi, quand la vie, c'est qu'elle est libre, c'est pas ma cambo, y'a compagnie, n'a le bisou, moko. Au moins, bayer, on tourne, oh, t'es là, ça, locataire, t'es là, ah, ça, locataire. Vous comprenez? Donc, ce pays, la mentalité, nous avons la chance de faire. Ça dit qu'il y a aussi, il y a aussi notre part de responsabilité. Une grande part. Parce que quand on parle de 300 000 contribuables, bisou, tu as 80 millions. Même si tu qui est dans la monde, tu es raté, tu es là, raté. Ce qui est dans la lobby, il faut foutre un pack. Imagine, il y a une caisse qui va exploser. Donc, il y a un exemple. Ce qui est dans la bonne volonté, dans la bonne foi, à comprendre la vision de la Mokonzi Mboka, à Kouki Kousungaye.
po bateau to lo belami balo yo baza pe batu bazana makila baza pe na mai moi ka diwana eza ben po kale za kindele et DG na lingina déclaré 5 millions mais na ko déclaré 1 million comme ça na 4 millions etikali to kabola yo pezwa 2 millions na yo biso peto benda 2 millions na biso na caisse à l'état coûte à combien 1 million mais c'est des gens que lui chasse aller tout payer à l'état. Donc ce qui kaka biso tozui kaka conscience que mboka la biso faut être kende liboso et ko kende liboso mon konza mboka je te dis mon frère même nena lo baboye et ça na bateau paye à régime na biso pour ba ko se pela na mais moi j'ai choisi de dénoncer ça. J'ai choisi de dire parce que mon konza mboka azana idée que mboka la biso faut kende liboso. Il y a on a yambarayo assez souvent parce que franc parler on la yambagon na assez souvent. Merci beaucoup mon frère. Parce que moi j'aime des gens qui ont ce franc parler. Les gens qui savent dire la vérité. À cause de la partie opposition, à la majorité, à PPRD, à UNC, à UDP, à ensemble. Mais à l'époque, la vérité, pour la carte, PPRD, Miyibi Baza, Batamala, on peut Baza. Na UDP, Miyibi Baza, Batamala, on peut Baza. Na ensemble, Miyibi Baza, Batamala, on peut Baza. Na UNC, Miyibi, ainsi de suite. Nous allons prendre un élément de la DGI. J'aimerais vraiment que nous puissions, parce que la télévision, c'est l'image qui vient s'ajouter au son. Je veux vraiment qu'on prenne un élément. C'est un élément de nos confrères qui ont fait, où on va suivre quand même ce qui a été fait. Oui, mais ça déjà DGI qui est dans le Madame Nayo qui a dans le DGI, on a dit que les réseaux sociaux, ils ont contre le président. Ils ont contre Miyibi. Ils ont contre le président, ils ont Miyibi. Mais na bête na ka batuma boko basa ka musala yo mbo mona ka IGF batuma mitu na ka me jour na mona IGF la dernière fois que je l'ai vu je ne sais pas c'est quand que j'ai vu à Lingeti mais c'est quelqu'un pour qui moi j'ai du respect. Mais tu fais bien ça comme hein. Je te dis au communiqué qui t'a rencontré. La dernière fois que je l'ai rencontré ça peut être de 4 mois. Non, c'est quelqu'un qui mérite. Parce que mona TV qui mérite. Et quand tu as de 4 mois, 3 mois que na mona yé mais c'est un monsieur dans ce pays moi il me rappelle toujours Mamadou Ndala. Alingeti, c'est un esprit. L'esprit Alingeti. Ça veut dire qu'il y a un mouton, au talim, il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque. Voilà pourquoi j'ai dit que, deuxième révélation, il y a un oh. Donc, ce lobby, non, sincèrement, je vous dis que, papa, il y a des gens qui explorent le chiffre, il y a un mouton. Ndeko, dis-moi, est-ce que ces gens n'avaient pas aussi la liberté à que bon 4 milliards on a ba repé ko limu sango ba lié pe ata ba lié en ata ata 3 milliards ba 1 milliard. Est-ce qu'ils n'ont pas cette liberté là de le faire? Mais quand vous voyez des gens qui se sacrifient pour leur pays, il faut qui les encourager. Moi je les encourage. Des Gérard Boyokasson. Au fida comme la monnaie. DCD. DGDA. Non, pas moi, pas dans la bête. C'est là, non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Boyoka Sony. C'est là, la régie des zones, on a tiré au temps la binote. Batata, mi-colo, bino, batato, yo, bino. Les amis, mingi. J'en recommande des journalistes, des patrons, ouragans. M'a appelé ce matin. N'a rien à s'y dire. Mouni, n'a rien à s'y dire. Après, on a eu plainte. Le neveu de Jean-Henri qui est mort hier pendant la pluie, parce que Moutard a quitté Sienne à Maï, à Barumbu, bon marché, Maï, on a câble à Snell et Zalaki. Mais vous foutez quoi, vous? Vous foutez quoi? Batoyen de Pesso, Barouzo, Snell, la régie des Obazate, président Abel, la bus au Batoyo, Bamouaka di Bazate, Moulis, on a le Baboy, plainte, Moulis, Mouaka di Naïbieta. Mais quand tu. Il y a un élément, fidèle téléspectateur, suivez l'élément. Parce que le président de la République, lui, il a pu se battre. Tous ans, il a couranté. Tous ans, il a été président. 3 ans, 4 ans déjà. Fatih Ati, il a pu se battre. Il y a Malonga, régime des zones Snell. Ah, ben, il a battu. 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 J'ai suivi sa communication aux États-Unis. Les gens ont critiqué quand il est allé chercher les investisseurs. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'un compatriote dise aux étrangers, Boya et pas la bisoté pour Bazo Katabatumitu. Là, on parle aux investisseurs. Ou Baye Bisabango, mais Boya et pas la bisoté, mais Boya Bakekuna, Soko Sakani Bakatio Lobo. Donc, est-ce qu'on peut communiquer comme ça à l'étranger? Mais bien sûr que monsieur a cette énergie, mais il faut comprendre que pour le Congo, on doit. Ça dit que
Kozala opposant et la kisite qu'on a Fatih a échoué. Kozala opposant et la kisine. Et la kisite que place Fatih a sali ma be yo critiqué ou proposé pour Fatih a sali bolam. Opposition a roulé que la gaye pour a échoué pour plus de discours. Opposition a n'a tiani na salamote na salamote na salamote. Place les amas là, mon gars, on a toujours ma boko. Place les amas bien beaucoup, on a critiqué net et net, on a critiqué sérieusement. Nous reconnaissons les valeurs de gens quand ils ne sont pas là. Fidèles téléspectateurs, ma journaliste est au Baliaga Mont et IGF, qu'on les capite à tienne. Ceux qui dans le but qu'ils n'aient un franc à IGF, tenga Peter, la boucle locuteur à la TV. N'aient un franc, n'aient deux francs. Ça fait des mois que je ne vois pas IGF. J'ai même appris qu'il avait voyagé. Il y a des journalistes qui perçoivent de l'argent là-bas. On semble que les journalistes, c'est la majorité, tant mieux. Mais pour défendre quelqu'un comme Alignetti, tu n'as pas besoin d'argent. Dans mon bureau, il y a la photo, il y a le portrait de Mamadou Ndala. Je regrette une chose dans ma vie, c'est de ne pas avoir rencontré cet homme. Mais je suis heureux, moi, d'avoir fait une photo avec Alignetti. Faites-le parvenir ce message. Les gens vont reconnaître la valeur de cet homme un jour sur la tisole du colo. C'est un esprit dans ce pays. C'est des gens qu'il faut encourager. Ce n'est pas un régime. Quand quelqu'un fait un travail noble pour le pays, pour la vie des Congolais, il faut applaudir. Et cet homme aura toujours mon soutien, matin, midi et soir. Ce qu'on a attaqué, Moutalibosa, on répond aux Zanga. Je vois beaucoup de gens sont décidés. Moutalibosa, on répond. Parce que ça, la bateau, on va décider à quoi détruire. Mais c'est des gens qui font un travail exceptionnel au risque de sa vie. Les gens qui connaissent Gilles Alinguetti, moi-même, je le connais aussi. Dites-lui que Peter Tseni a dit que tant qu'il sera devant le micro, il va tirer son chapeau pour ton travail. Et comme Alinguetti, aujourd'hui, j'apprends ce qui se fait à la DGI. Je dis à Mwakadi. Mwakadi qui, comme nous sommes invités. Mwakadi Mwamba. Mwakadi Barnabé. Barnabé, monsieur, félicitations. C'est ça le Congo que nous voulons. Critiquer et applaudir. Nous allons suivre cet élément qu'on nous a envoyé. Par des confrères, quand j'ai voulu vous recevoir, j'ai l'élément de Fachi qu'on devait mettre. Maman a dit que côté bah, YouTube, il posait ce problème. Bon, élément, il y a Assemblée nationale, j'espère que Brochel en a pris. Mettez-nous l'élément de la DGI, on va suivre cet élément, le public va découvrir, on va se retrouver tout juste après pour continuer cette émission. A tout à l'heure. Une première dans les annales des régies financières. La Direction générale des impôts a accru ses recettes en atteignant le cap de plus d'un milliard de francs congolais, soit près de 3 000 milliards de francs congolais pour cette année. Cet accroissement des recettes est consécutif aux capacités managériales du patron des impôts congolais. Je viens de causer avec les services de recouvrement. Ils m'informent qu'à cette heure ici, nous sommes déjà à 3 000 milliards de francs congolais, plus ou moins les triples de la fois passée. Et pour cela, je ne peux que glorifier le Seigneur, car n'eût été sa grâce, cela ne pouvait pas être fait. C'est une fois dans l'histoire de la DGI, donc ça ne s'est jamais fait. Au jour d'aujourd'hui, nous donnions au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Si vous prenez plus ou moins 3 000 milliards, c'est 1 milliard 500 de dollars qu'on donne au gouvernement. Nous sommes là, c'est pour soutenir aussi les actions des chefs de l'État. Et c'est qu'on peut demander au gouvernement qu'il nous appuie aussi en ce qui concerne la gestion de la TVA, en ce qui concerne les télécoms. Si le gouvernement peut encore nous aider à placer les dispositifs dans chaque télécom pour que nous soyons en mesure de saisir tous les flux de communication, ça pourra nous permettre de bien gérer les télécommunications en ce qui concerne la TVA. Barnabé Mwakadi Mwamba a effectué une visite surprise au centre d'impôts synthétiques de la Gombe où il a assisté aux opérations effectuées par les contribuables résidant dans cette commune. Auparavant, il a pris langue avec les agents et cadres de la direction des grandes entreprises et les a exhortés à plus de civisme pour l'exécution des opérations de l'échéance d'avril 2022. Le DG a bouclé sa visite par les centres des impôts de Kinshasa. Comme qui dirait qu'il n'y a pas que du mal dans le régime Fatih, il y a aussi du bien. Effectivement, c'est que c'est juste, je vous ai dit que la difficulté, la grande, c'est les gens qui devraient ou qui doivent accompagner le président. Ce monsieur est pétri de très bonne volonté, Fatih. Il a besoin que ce pays... Il a la volonté, il a des promesses. Il a la volonté. Beaucoup de volonté, beaucoup de promesses. Non, le promesse, c'est naturel à un pouvoir. Vous ne pouvez pas être un président sans dire ce que vous devriez faire pour votre pays. On peut appeler ça promesse, mais ça reste ça.
Ça fonctionne comme ça dans toutes les démocraties du monde. Le président a toujours dit, je ferai ça, je ferai ça. Et les paroles suivent. Et il y en a d'autres qui promettent même dans une durée de 30 ans. Même quand il ne sera pas là, il dit que le Congo arrivera à un certain niveau. Donc, mon frère Peter, c'est que si nous avons, le président a de bonnes personnes, comme ces gens que nous venons de voir tout à l'heure, vous l'avez vu, directeur général de la DGI, descendre partout où il y a la DGI, sensibiliser les agents, leur dire qu'ils doivent travailler. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il leur a dit? Quand nous faisons entrer beaucoup de recettes, on va nous rétrocéder, vous serez bien payés. Okay. Vous aurez des bonnes primes. C'est comme un peu Alinghetti aussi qui a fait exploser les salaires des inspecteurs. Voilà. Avec des rétrocessions qu'ils perçoivent quand ils interceptent des détournements. Voilà. Pour stimuler les gens, pour leur mettre dans On peut bien vivre, mon frère Peter, avec le peu. Je ne sais pas pourquoi les gens ont un peu la peine de millions. Ils ont toujours besoin de millions. Maintenant, c'est le cas million. Si tu as même 100 millions de dollars chez toi à la maison, tu vas faire quoi? Même si tu as construit 20 immeubles, est-ce que tu vas dormir dans le 20 immeubles? Okay. C'est quoi le plaisir? Au lieu que les Congolais se retrouvent dans le Mukewana ou dans les Bélé Zobima, tu peux permettre à un fonctionnaire, moi, dans Moussou Soupe, à Zambongo, papa n'est pas fouté, qui toco, ma cambo qui n'est bien. Ouais, je suis attendu. C'est quoi ce que bien? Vous avez bien dit que vous avez loi électorale. Quand on a dit débat, G13, Mukololo Abimi, Mboso, vraiment Mboso, Nambata, bureau par bureau. Publication des résultats bureau par bureau. Cause à suppléer les alandes qu'on a ôté. Ma députée n'a bissou, ma long lien. Ça dit que j'ai très à proposer à qui? Dans ce moment, on peut comprendre que député, au cause de la suppléant, n'est qu'on a ôté. Moi, on a eu une unité. Mais l'Assemblée nationale est bois qui s'y a. On a mis tout ça au niveau de moi, on a eu un. Et puis, publication pour laisser ma bureau de vote par bureau de vote. Et moi qui suis bon, je vais répondre. Bwana Okoti na magambo purement politique. Okay. Je vais te répondre comme un politique. Bande Koyage 13, ma bien à Bango Ezani. Ils ont fait leur loi. Ils veulent que Kakane Bango Basali loi na Bango et les Kakaka Bongo. Député Mogwasimbe, l'autre côté, Balongo la paix, l'autre côté. Est-ce que vous êtes démocrate? La démocratie, c'est un cabon. Mais qu'est-ce que c'est? Des élatos, selon la malheur, mais malheur. Est-ce que la démocratie, c'est un cabon? Mais ça, la base, mon souci, c'est la quand même. Sans problème. Mais est-ce que vous avez une base ou un an? Au Tchande, on a eu un Tchande. Ok, vous avez une base ou un an. Vous savez, député Nabiso, il faut aussi savoir quelque chose, c'est très important. Bato, Bazo, légiférer, mais vous avez un député. Et là, ce qui est le long, c'est qu'il faut que tu te bandes, que tu te bandes, que tu te bandes. Ok? Imagine-toi que tu es devant une délégation à député, que tu te bandes, que tu te bandes, que tu te bandes, que tu te bandes, que tu te bandes. Comment vous voulez que la loi passe? Dis-moi un peu. Ça veut dire que ce qui est un état d'esprit, et que tu te bandes, que tu te bandes, que tu te bandes. Peut-être que tu es habité, tu es un G13 et tu as un boule dans le bango. Mais pour que tu aies mis loi, bon, tu as un télémélie dans le bango. Ça n'a toutes les fois, tu es en train de vivre des institutions. Oh, tu as une institution qui est commise. Mais quand tu as un bango, il faut réduire. Il faut revoir. Si les lois sont réduites, c'est un peu. Tu ne faut pas revoir Bilo quand tu as un député national. Tu le vois faire ça? Non. Réduire leurs salaires, ils vous donnent pas. Leurs émoluments, leurs avantages. C'est ça le problème. Donc quand déjà Batou, oh Bazali Bakelimibeko, oh Bissot Tindi na Parlement, ok? Baza déjà n'a été état d'esprit zolo baki. Bangonde il faut baza kaka bien. Bangonde il faut bala takaka bien. Bangonde il faut bala rouler bien. Bako réduire le train de vie na bango. Bien au contraire, Bakoluka et Matalissus, Makas. Sauf que la proposition à Bongo pour ça la déjourté. Et les gars, au lobby que bon salaire au bino bas député, bon en Sikoyo, tout doublant au fois deux, n'a pas avantage n'y en. Donc, ceux qui vont bandir l'eau en Akas Sikoyo, kaka les lois que vous tamez, les lois barotines dans la publication. Mais l'air Makamouzo tala peut-être vie, il y a société, là où ils trouvent que bas avantage n'a pas Bongo Zali,
ils vont réduire. Mais Ndekoza Kaka pour en athée, il y a pas suppléant. Point à bureau de vote par bureau de vote. Non. Les amis veulent faire, ça c'est une distraction. Le principe est retenu qu'on doit publier les résultats. Baboini, on ne peut pas coacher que centre Mokweza Nangiringi. Il a publié les résultats. Non. Ils ont voulu qu'on affiche. Pas qu'on publie. Dites-moi un peu, on aura combien de séries. N'a pas ce exemple. Ngiringi, il va saler l'élection, il va publier. Oya sali élection a publié. Oyo après vote a publié public pour tout le monde. Oh, ah, si on affiche, non? Partout dans le monde, les assos. Maintenant, on a une compilation, on a un témoin et voilà, tout. Le terme, afficher, le terme publication a été remplacé par affichage. On affiche. Oui, mais on dit qu'il faut maintenant nous CENI. Maintenant, on valider la CENI après. Non, 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 non. Ça, il y a la politique, Nabiso. Je te dis qu'en politique. On les a cadiochés. Et là, Babilo, comme on s'en. On les a cadiochés. Bah, cadiochés. Et là, Babilo, comme on s'en. Bah, bétien, au bon moment, Kéi, des essais, du Batomoki. Ah, ils aillent des boyettes, ils aillent des boyettes. Donc, ici, c'est quoi? On va afficher. Après le vote, on affiche. Bakozoa, résultat, wana. Batinia, on a centre, il y a compilation. Ceux qui sont centre provincial à compilation, bah conforter résultat, nous sommes dit. La CENI, maintenant, bah témoin, bah observateur, bah qu'on soit PV, PV wana, na bah document affiché wana, bah couper ça on monte nous on va reproduire, na bah témoin nous sommes, na bah observateur au bazar. L'air est coco masiko yo koto yo. Le secrétariat exécutif national à Kousa la Kaka, une compilation générale, ça veut dire balobi kasa et bimi boy. Oye bimi bango basali comptabilité ba pesi kaka na président Aseni a lobi qui a gagné et qui a perdu parce que ton lobi que batunyo so ba loba nani a gagné nani a perdu imagine awa na kisasa peut-être cause à la guerre ngamu na gagné kuna na nini mususu a loba o et la Peter Chani kuna bande kwa Peter Chani ba bandi ko sepela o ya biso ase a gagné aussi donc soge bimi na kisasa eko luka mobulu c'est là que bango ba député tomba ba silika ki ba bimi na salo yebit ça va na ba silika ki ba bimi après c'est ba raison na bango mais tomba journaliste ba ni bon les bandes peuvent pas bango interview tomba journaliste ba zoge na salo mbosa ba ngali ba journaliste ayi ba kota suti Congo allez on suit l'élément de et là ba incident ya professeur non bon on suit l'élément on s'entend juste après tout à l'heure. Voilà, le monde n'est pas encore prêt. Malheureusement, il n'y a pas de souci. Ouais. Dans ce cas, quand ce sera prêt, vous allez me faire signe. Alors, on va chuter. Ouais. Dernière question. Au stade actuel, aux appels à tourner à ce pour te chuter. Au stade actuel, y a-t-il encore de l'espoir de croire si après 3 ans et demi, près de 4 ans, président Yemoko, Tomoni Emi, les Lalela, armée, enseignement, est-ce que l'espoir est là? Espoir est là. Non, mais l'élection va gouverneur à Sikabaye. Espoir est là. Il y a une norme qui déjà non le lobby. Le lobby, on rend ingouvernable Congo central. Oui, mais le lobby peut qu'il n'y ait pas proposé. Il va tout pas bon. Tu vois, non? Voilà, président. Ce qui peut-être, il y a les caca, on a éliminé les caca dans le silence. Nous déplorons ceux qui ont fait la corruption des Ali. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui appuie quelqu'un parce qu'il est le nôtre. Comment Moutana va député provincial et va voter? Non, ça arrive. Moutana va même un suppléant, va voter à table. La campagne telle qu'elle est. Là, c'est la campagne qui a convaincu. Ndenge Loua Nabiso et Salemi, même Yoko Kende, tu fais un discours, au nom de ce discours-là, va occuper qu'on vote. Tout comme on coupe Sabango Kanyaka. Bah voter, c'est pourquoi tu sais une réforme dans ma kamoumatali et les tchamba gouverneur dans ma sénateur. Parce que Ndenge Loua Nabiso et Zali, ils ont permettre que, à tous les députés Mokote, tu peux venir au postulat député professionnel. Tout comme on a à peine $1 million dans la poche, au KIP au bimi gouverneur. Vous voyez? Et donc il faut qu'on fasse des changements. Si tu as reproché, Loua Nabiso Moko. Au Ezali, qu'on permette que contrôle Moko rigoureux, Ezala, et ça les. Il y a de l'espoir pourquoi? Ce qui est l'autre, c'est 4 milliards. Dites-moi un peu, ce qui dans 5 mois, tu as 4 milliards. Nenge DGI a tu commis en décembre, ok? DGI et Moko Abimi, c'est $10 milliards. Tu as un budget en 2022, ils ont prévu 10 milliards 200 millions. C'est ça, non? Imagine, il y a Moko Abimi, c'est 10 milliards. DGDA Abimi, c'est 5 milliards.
ou à Benissi. Donc il y a de l'espoir. Ça veut dire que Tokoki Komikuta, Tito aussi dit ça 2023, beaucoup de gens qui ont mis sur le budget à 30 milliards de dollars. C'est possible. Donc espoir et Zali. C'est seulement que Bandekobas ont conscience qu'ils doivent travailler. En lieu et place, il y a l'État, ils doivent travailler pour l'intérêt général. Ce qui nous tient, c'est que la conscience, on a des gens qui sont en c'est-à-dire, ce qui, président, est bien entouré, dans la présidence, dans la ministre, dans la régie financière et partout, il y a des gens consensuels. Donc, il y a aussi possibilité que les gens qui sont va changer. Va changer. Il y a possibilité. Il y a possibilité. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas être des gars qui m'ont habité la bango et ça. C'est ça que je dis. Il y a possibilité que mon toit change. Mais c'est ça le problème. Parce que la presse, là, c'est ce que nous voulons, mon frère. Presse, il faut tous aller. Pour ne fût-ce que qu'on prône, qu'on prêche ma valeur. Bato bazo travaille mal. Bato bazo l'accepte ça bango. La presse devrait s'inviter elle-même. Pour ne qu'on prenne, qu'on relève ma camoua. Mais comment on a dit Moutouana yo yé bien kaza mouibi. À Kobenga, il y a un chargé à communication. Il y a 10 000 dollars. Il y a un chargé à la ou 2 000, tout ça. À Kaboli, il y a un chargé à la maintenant, imagine. Pourquoi? Donc, tous les changements aussi doivent commencer par notre presse. Nous devons décourager. Nous devons décourager les mauvaises habitudes. Et donc, c'est pour te dire, mon frère, que déjà, ne fût-ce qu'un aspect mobilisation et recette, il y a de l'espoir que nous pouvons faire 30 milliards de dollars d'ici 2023. Donc, l'espoir est permis. D'abord, le militaire, le président Zoloba, c'est une sorte de mobilisation. Et Zali Kozeri Moral. Donc, il est en train de dire aux militaires que vous devriez faire mieux. Beaucoup qui consacrent la mieux et ce n'est pas tard. C'est ça. C'est pourquoi il a organisé, on a appelé ça l'éthique. Une journée d'éthique. Pour n'avoir la kisabango déontologie d'un homme en uniforme. Donc, parce qu'il faut savoir que notre armée était infiltrée. Infiltrée à un haut niveau. Alors, processus, il y a des infiltrations, hein, c'est vrai que ça va nous prendre du temps. Mais ça passe aussi par ces notions morales, le président Pessi, bah, enseignant, je crois qu'à travers cette émission, on va comprendre que tout ça n'était que de la machination. Le président ne les a jamais remis en cause. Et donc, nous devons nous concentrer pour ne fût-ce que honorer nos champions. Moi-même, je proposais au président, il y a une autre façon d'encourager les gens. C'est d'organiser, par exemple, des journées de décoration. Batouneti ba Lingeti, Batouneti ba Barnabé Mwakani Mwamba, Batouneti yo bazo ko excelle dans le bien, eza na justice, eza na armée, eza na la police, baza batua ko primé. Dans la générale ou ya service national, qui a transformé des Koulouna, des coupeurs de route, général, à commission bango ba, ba yeah, tu, général, tu vois, il devient de bâtisseurs. Donc c'est des gens à encourager. Respect. Parce que tu as qu'on décorer vivant. Ils attendent que tous là à couffir les lots, un des tokens dans médaille. Non, ces gens-là dans un contexte comme où il y a Bissou, Mouyibi Zali généralisé. Peut-être ben Mouyibi on a envoyé que donc considération. Tu vois que ma fleur pas général John Kabouk. Ouais. Mbote n'a moussa la dosa la kitoko, service national, le zopes abiso masango. Y'a boukanga l'onto tozela, tozoate, mais y'a service national tout de même. Bernabé Mwakadi Mwamba, DGI, qui a fait 4 milliards de dollars dans 4 mois. Félicitations, DG. Voilà. Place aux arts. Fallait poser la photo à Batimou Soussou. Il a mis ça tout. Tolobi, Gilles Alignete. Alligator. Gilles Alignete. Kanga Bango, sérieusement, Mibi. Kanga. Barosan la Boueba attaqué. Kanga la vie sauvante. Donc, il y a un PPP, il y a un DPS, il y a un autre avenir, il y a un total. Voilà. Non, c'est pour dire que. Monsieur Sumpi, il y a un PP. Oui. Monsieur le président, il y a un total, il semble que. Sans problème, il y a un PP. Il faut une mission. Moi, je vais te dire. Sur ma entreprise. Moi, je me disponibilise. Je suis en train de faire des recherches personnelles. J'aime, j'apprécie. Bandeko, il y a un travail bien pour aider mon président. Bandeko Transco, oui. Voilà.
Bandeko va retravailler malam. Nous serons là sur votre plateau. De quoi Transco, le DG de Transco. C'est Chief Chipamba. Chief Chipamba. Félicitations. Non. Yo kanyele pso tu mouyibi moko. Funda pela mouyibi moko. Oh. Déjà Transco mouyibi moko funda. Je m'en voyais bien. Voilà. Chief Chipamba ya Transco. Mbote. Bato nous notar ton kouta narate. C'est pour te dire mon frère que il y a toujours moyen de mieux faire. En général, Kabou qui sont au kouta narate au bien. Il y a des gens. Chief Chipamba, maintenant, tu as l'interview, il y a Transco, on a tiré l'eau, tout le monde en a raté. On a peine à temps, on l'aura difficilement, mais bon. INPP, M. Soumpi, on a appris que vous êtes venu, à venir, vous avez tout senti, non, tu veux que l'autre. Alligator, rien à dire, Lingetti. DGI, merci. Nani Sous, tu as beau. Parce que tu as mis les bananes. Place finale sur la question. Non, non, c'est ce que je dis. Ouais. Non, mettre zéro. Non, peut-être Babotama Miyibi. Peut-être Bakola na Miyibi. Bazala na makila. Bakoza na na makila. Mais justice moussala na mouezani. L'air batouana bazo sala mbeba. Bokangi bango. Okay. Bokondane bango. Bo persibisu exemple à Malonga. Bamoussou soupe bakouiko banga ke. Ndenge bakangi bango bakondane. Ngape na yibate. Okay. Mais quand on constate aussi que na justice, malgré ba effort nyonso. Il y a toujours des gens qui résistent. Yibi. Et ça m'a l'amouté. Moïbi, il faut qu'on soit justice. Mais non, je n'aime pas entrer dans ce débat. Mais le problème, c'est dire quand ça marche. Et quand ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas. Sort même de l'ongoyer. N'a évité ce mauvais sort. Sort. Oui, c'est le sort. J'ai en Afrique, il y a 24 heures avant. Mais bah, supita, le supputation, j'ai en Afrique, les a fait. Nani, ni na élection à Macron. Allez, quitte. Bah, sondage. T'es où là, Zalaki? T'es papa, bah, dis-nous, bah, journaliste, Bozalakana. Bozalakana, na S Moko. Kalouba, je vais te dire un truc. Kalouba vous a rendu un grand service. Non, écoute. Kalouba, c'est les tirages au sort. Les tirages au sort, c'est un jeu du hasard. Na hasard, yo pour prévoir ni. Claire, bah tu vas bête à Paris foot, il parie. Maître, ma bécote, toi aussi c'est mission, mais ton accord c'est le roman quand ma bécote. T'es na yo yebi, na zaga prêt, na ramasse gagnant ça. Maître, procès sans jour. Ouais. Le tombeau est vide. Bah, je sais que Moussa la justice, Ezali, il y a qu'au Kangabatu. Ce qui est le but de Baïbi, Ezali, il y a qu'au condamné Batu. Ezali, il y a qu'au innocenté Batu. Ce qui est le but de Baïbi. Est-ce que le tombeau est vide? Yo, kate, ce qui est le but de Baïbi, mais qu'on paie sa liberté provisoire, peut-être, on a un autre lingo le bela. Liberté provisoire, il y a qu'un principe. Batu, il y a qu'un principe. Attaille, on a un autre mot. Liberté provisoire, on a un autre condamné, maître. C'est Yoka. Ça s'explique comment? Je t'explique. Bakatelo pela condamnation. Oui, bakatelo condamnation qui en appel. À tous les niveaux et à procédure, je peux solliciter la liberté provisoire. Donc, bako condamné en premier degré, au sali appel, audience à Liboso, même il y a Katikati, il y a appel. Bavoka nous bako. Kamere Libanda, Jamal. Bacha et Liban. Jamal ou non. C'est le principe, mais je refuse. Je refuse. Ce qui que ma liberté, ils allaient fouiller la corruption. Je dis ce qui. Ce qui que ma liberté, ils allaient fouiller à que pour Moutouazoui, Kanya, Kalié, Atiki. Là, je comprends. Mais ce qui est allé que, n'a n'a mibeko, pas mibeko, le bas que moutoufou a la liberté. Ce qui est allé, n'a 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 moutou a la liberté, selon n'a mibeko. La liberté, c'est le principe, hein, la détention, c'est l'exception. Vous pouvez lire l'article 16, 17, 18 de notre constitution, on va comprendre que la liberté, c'est le principe. C'est le principe, la détention, c'est l'exception. C'est une exception. Mais seulement, il y a quelqu'un qui ne sera jamais en liberté provisoire, ni. C'est qui? C'est le juge Yanni. Qui est condamné dans son cercueil. Vraiment, c'est compliqué. Dans ce procès. C'est lâche de faire ça à un humain, c'est lâche. L'émission est terminée. Merci, Monsieur Peter. Pour son édifice, le Congrès a besoin de la participation de notre... Monsieur le Président, vous savez aujourd'hui avec qui vous entourez. Il n'y a pas que de pourris, mais il y a aussi des gens valables. C'est ce que je retiens de cette émission. Des gens qui peuvent
changé. Pendant la chef de l'État, des gens qui peuvent changer les choses, monsieur le président. Et il y en a aussi qui, par sentiment, peuvent faire des choses. On a vu ça avec le procès son jour. On a même vu des gens aller, conseil pénal président, se tirer sur Vital Kamerhe. On a un tambour battant l'air TNC, voleur, voleur. Où en sommes-nous aujourd'hui? Même la manière de se séparer avec des gens, avec Vital, avec Kaboum, avec le conseil spécial Béa. C'est toujours bien de bien se séparer, on ne sait jamais. Moi, je vous aime beaucoup. Il y a des gens près de vous. Le Mwakadi, les Alinghetti, le général Kasongo Kabouik, les Donald Kabasele, je ne sais pas si son péché c'est parce qu'il est jeune ou parce qu'il est sur mon plateau, parce qu'il est de ma génération, mais c'est des valeurs. C'est des valeurs, monsieur le président, c'est des valeurs. Moi, je ne reçois pas n'importe qui sur mon plateau. Je reçois beaucoup d'invitations, beaucoup de sollicitations, mais je trie des gens à même d'apporter quelque chose. Et le Congolais, vous avez vu que dans cette émission, on a parlé Congo. Il y a des points où je n'étais pas d'accord, j'ai posé d'autres questions. Il y a des points où j'ai partagé l'avis d'un compatriote pour l'émergence de notre pays. Parce que nous construirons le Congo ensemble, monsieur le président. C'est important de vous passer ce message. Des gens bien, ça existe. Un bon casting, ça peut aider le pays. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Mazemba, Makaki, dans 90 minutes. Benzema, ça va Makamon, on a une prolongation, Mikolo, donc... C'est les Nasukangou, on a besoin d'avoir ta veille, un zombo les soirs, tu bin à l'époque. Donc Nasukangou, on peut faire quelque chose. L'espoir est permis. Parce que moi, je dégage toujours des ondes positives. Liberté d'expression. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Ha ha.